fasse un peu le son, DJ Juve. Aujourd'hui, devant vos estrades, vous voyez nos deux amis qui sont là avec des cartons. Ils sont là pour aider le synchronisme, pour maximiser le bruit au bon moment. Quand nos deux amis vont lever les cartons dans les airs, ça va être là qu'il va falloir faire un maximum de bruit. Est-ce qu'on fait un petit test ou deux pour se pratiquer? Hey Julie, baisse le son, s'il te plaît. Yo, DJ June! Bien, merci. Yo, fait qu'on fait aujourd'hui nos deux amis avec les cartons blancs et bleus qui sont devant vous. C'est pour maximiser le bruit au bon moment, pour favoriser le bon synchronisme du bruit. Quand les filles vont lever le carton dans les airs, c'est là qu'il va falloir crier, souffler dans les trompettes, frapper les pieds sur les estrades le plus fort possible. C'est important. Ça influence le match. On fait un premier test. Let's go, les filles. On brasse les cartons dans les airs. Let's go! Excellent, excellent! Hey, honnêtement, on pourrait faire 20 tests parce que c'est drôle, mais vous étiez déjà parfait, on n'en fera même pas deux! C'est exactement ça qu'on veut voir, fait que tout au long du match, les cartons vont lever à des moments spécifiques, puis je vous le dis, ils vont lever souvent, c'est important, il faut faire du bruit, fait qu'on se fie aux cartons. That's it, sinon on vous souhaite un excellent match, un premier match là, de série. Aujourd'hui, les cavaliers du Collège Saint-Lambert qui visitent nos gaillards du cégep de Jonquière! Alison, Julie! Carton! That's it! Pour débuter le match, nos gaillards effectueront la botte d'envoi, ce qui amorcera le parcours éliminatoire 2023. Quand je lève les feuilles, les filles, vous me suivez tout le match, c'est bon? De débuter le match du côté de Jonquière. Très beau beauté, un peu flottant et la couverture qui descend 120 et qui récupère le ballon. L'offensive des Gaillards s'amène à leur 33. Au 33 territoire de l'adversaire pour débuter le match. Applaudir le joueur qui se relève. C'est-tu moins pire si je suis ici pour le soleil? Non, ça change rien. En plein centre au numéro 4, Alexis Bonnefoy pour gain sur le jeu, deuxième essai. Capté par le numéro 15, Pierre Cholet, c'est bon pour
Alors conservé par le temps arrière, le numéro 8, Olivier Lefebvre. On gagne environ 4 à 5 verres sur le jeu. Deuxième essai. Deuxième essai 6. Passe captée du côté des Gaillards. Bonne réaction du côté de la défensive. On gagne les verges et on se rapproche de la zone des buts. Deuxième essai et les buts. Sur les kick-offs comme la semaine passée, gang. On va suivre les cartons, on va se craquer du bruit. Supporter l'envoi comme vous avez fait la semaine passée, c'était insane. On va essayer de refaire ça. Let's go, let's go, let's go! Cette fois-ci, la possession est conservée du côté de Saint-Lambert. La défensive des Gaillards qui s'amène sur le terrain pour la première fois du match. Et vous le savez que c'est là qu'on veut entendre un maximum de bruit. C'est là qu'on a besoin de tout le monde. On influence le match, le 13e joueur. No. Aucune pénalité sur le jeu, là, carrière des Cavaliers qui vont chercher un premier jeu. C'est un peu avant que le ballon lève. C'est avant que le ballon lève qu'on veut entendre un max de bruit. C'est là, let's go, let's go!
passe captée du côté des Cavaliers. Un gain de 15 verges. C'est bon pour un autre premier jeu. Pour plaquer le numéro 7. C'est incomplète. Deuxième essai 10 à faire pour les Cavaliers. Merci, on va voir vous entendre avant que le ballon lève. On veut que tout le monde fasse du bruit. Pas tout de suite. On suit les cartons. Belle réaction du côté de la défensive au plaqué. Le numéro 93, William Tang. Ce sera donc un troisième essai important. Pendant ce match, on va avoir besoin de tout le monde. Un gros troisième, on a besoin de tout le monde. Let's go! Passe complétée, c'est bon pour le toucher du côté des Cavaliers. Il y a un cellulaire qui a été perdu dans les toilettes avec une coque mauve. Il est au restaurant entre les deux estrades. Est-ce que quelqu'un a perdu son téléphone cellulaire? Il est à la cantine. Le téléphone, il y a une coque mauve. Boîtier mauve. La transformation est réussie. Avec 10 minutes 17 à faire au premier quart, la marque est maintenant de 7 à 7. Musique. Au retour, le numéro 88, Matteo Sankara. Excellent retour et l'offensive. Il revient sur le terrain avec un bon positionnement. Alors 45, premier essai 10, Gaillard.
Et quel travail, la ligne offensive en plein centre. Le BNF qui gagne d'excellentes verges. Ça donc deuxième essai, 5. Alexis Bonnefoy qui profitait d'excellents blocs au centre de la ligne offensive. Court tout en puissance entre les bloqueurs. Belle course encore une fois d'Alexis Bonnefoy, le numéro 4. Attendons voir le positionnement du ballon. Ça sera près, tout près du premier jeu. Ou suffisant. Il y a une pénalité contre les Gaillards. On va reprendre. Enfin, honnêtement, je vais faire ça. On reprend le deuxième, le 5 verges plus loin. Que la passe est incomplète. Ce sera donc troisième essai, 10. On applaudit le numéro 71 des Gaillards qui retourne au banc des siens.
Bonne course en plein centre du numéro 4, Alexis Bonnefoy. Un gain autour de 5 verges. C'est donc un deuxième essai, 5. Capté par le numéro 6, Jasmin Lévesque. C'est bon pour le premier jour gagnant. Quelle concentration du numéro 15, Pierre Cholet, qui capte la... Passe incomplète, 6-5. Passe capté par le numéro 1, le vétéran William Fortin. C'est bon pour un premier jour au numéro 4, Alexis Bonnefoy. On réagit rapidement du côté de la défensive. Légère perte de terrain, deuxième essai et 11. Pour inscrire le toucher. Transformation réussie, on indique qu'il y a une infraction sur le jeu. Pénalité là, contre les cavaliers qui sera appliquée sur le botté. Transformation réussie, aucune infraction, la mort et maintenant le 14 à 7 pour l'intérieur.
faire du bruit sur le bâté. On va synchroniser du bruit sur ce bâté-là pour donner de l'énergie au bleu. Prépare, gang. Let's go, les gars! Let's go, let's go! Le retourneur, un petit profil d'excellent bloc. Mais les coups sont acharnés et ils effectuent le plaqué. La défensive des Gaillards s'amène sur le terrain. Devinez où? Tout juste devant nos estrades. On entend le maximum de bruit et l'encourage de la défensive. Bonne réaction du gouvernement, ça coûte vite. Le cœur arrière, gang des verges supplémentaires. Mathis Tremblay au plaqué, deuxième essai, 3. Troisième essai, une verge à faire. On se prépare tout le monde, on encourage la défensive, on fait du sur le jeu d'option et qui gagne le premier jeu. On commence bien à avoir besoin du 13e joueur. On se prépare, les partisans, les gaillards, on veut vous entendre. Let's go! Du côté de la défensive, un gain d'environ 3 à 4 verges du côté des cavaliers. Ça donc deuxième essai. On encourage la défensive, let's go! Il dit que le
premier jeu du côté des Cavaliers. L'échappée du ballon a été provoquée par le sol. En juge les officiels. Premier essai et 10 au 45 en territoire des Gaillards. Let's go, on se fait entendre jusqu'à la barre. Fait du bruit pour les Bleus, let's go! Qui ferme la porte. Le vétéran qui s'amène sur le blitz, qui se faufile à travers la ligne offensive et qui effectue un plaqué pour une perte de 6 verges. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche du 13e joueur le plus bruyant de toute l'Amérique du Nord. Les joueurs sont placés, préparez-vous, ça va bouger vite. Dès que ça cesse, on veut du bruit. Let's go, let's go, let's go, let's go! Un gain d'une demi-verge sur la séquence. Troisième essai est long. Un gros troisième essai. Est-ce que le 13e joueur, vous êtes présent dans la place? Let's go! Bonne réaction de William Fortin, sécurise le ballon. L'offensive s'amène avec la possession du ballon sur le terrain. Un poté qui avait peu de hauteur. On sait que c'est toujours dangereux que le poteur aille récupérer son propre poté. Alors, William Fortin qui ferme la possibilité. Demandé par les Cavaliers. On vous rappelle que le moitié-moitié circule actuellement dans les estrades. Alors, le bouchon n'est pas d'encourager le moitié-moitié qui circule présentement parmi vous. Sinon, il y a la cantine entre les deux estrades pour vous réchauffer avec de la nourriture ou des breuvages qui est disponible.
On se capte par le numéro 15, Pierre Cholet, El Cholet. On sera tout près du premier jour. On va voir la décision des officiels. Et on indique que c'est deuxième. Ce sera deuxième essai et très court. Ballon remis en puissance au numéro 33, la recrue Eva Nicabou. C'est bon pour un premier jeu gagnant. Incomplète. La pression était forte sur le corps arrière. Ce sera donc deuxième essai 10. La passe est captée par William Fontaine. C'est bon pour un premier jour. Quelle belle main du vétéran, le numéro 1 qui récidive avec le fèvre. C'est bon pour un autre premier jour. Gaillard! Passe captée par le numéro 15, Pierre Cholet. El Cholet, à quelle concentration! Et l'officiel fait le signe, on peut bouger les chaînes, c'est bon pour un premier jeu! Le ballon remis au numéro 33, Evan Nicabou. Il est difficile à plaquer, il gagne d'excellentes verges. On se rapproche dangereusement du premier jeu, ce sera deuxième essai, court. Non, on indique le premier jeu, pardonnez-moi, let's go! Ballon remis au numéro 4, Alexis Bonnefoy. Gagne quelques verges au cœur de la ligne offensive. Un bon gain, un gain de 5 verges. Deuxième essai et 5. Deuxième essai, 5, 6 environ. Là. Full boxes. Ça, absolument.
fil dans la zone des buts pour inscrire à la major. Pour Pierre et PNF, ils font deux places. Transformation réussie, la marque est maintenant de 21-7 en faveur des Gaillards. L'offensive des Cavaliers s'amène très profondément en leur territoire sur le terrain, à leur ligne de 2. Yo, le 13e joueur, on est-tu capable de faire du bruit jusqu'à là-bas? On est-tu capable d'encourager les Gaillards jusqu'à là-bas? Let's go, let's go, let's go! Passe complétée du côté des Cavaliers. Bonne réaction au plaqué, il y a un mouchoir sur le terrain. Semble avoir saisi. Saisi le protecteur facial du côté des Gaillards. Ce sera donc une pénalité de 15 verges contre Jonquière. On donne le premier jeu aux Cavaliers. On repositionne le ballon. On va donner là, un peu d'air là, au positionnement du côté de Saint-Lambert. Le ballon 23. Allez, on encourage la défense. Let's go, let's go! Au plaqué, le numéro 9, Mathis Tremblay. Le corps arrière qui voulait s'évader. Un gain de 3 verges, deuxième et 5-7. Bonne réaction de la défensive. On contient le jeu, on fait rentrer le porteur du ballon à l'intérieur pour que Mathis effectue le plaqué. Troisième essai, on a besoin de tout le monde. Préparez vos trompettes, vos flûtes. Préparez-vous à faire du bruit, gang! Let's go, let's go, let's go, let's go! Se capter, c'est bon pour le premier jeu du côté des Cavaliers.
La pression était forte du côté des Gaillards. Solide plaqué. Premier essai, 10. Let's go! On a bougé trop vite du côté des Gaillards. Pénalité de 5 verges. Ce sera donc premier essai, 5. Yo. On va avec le jeu de l'option du côté des cavaliers, on donne les verges, on gagne 10 verges, 9 verges environ. Premier essai 10, fin Lambert. Les joueurs se placent, on fait du bruit, on encourage la défensive. C'est capté par le numéro 13 des Cavaliers. C'est bon pour un premier jeu. On demanderait à Léo Le Dantec de se présenter à la cantine. Léo Le Dantec. La cantine, s'il vous plaît. Let's go! Carrière des Cavaliers qui conserve le ballon, c'est bon pour un premier jeu. Alors on est tout juste devant le 13e joueur, il n'y a aucune excuse de ne pas faire sentir sa présence. On va influencer le synchronisme de l'offensive en faisant un maximum de bruit. Let's go! Et on est dit que la passe est incomplète! Deuxième essai et 10! On fait du bruit, on encourage la défensive! On demande un temps mort demandé du côté des Cavaliers! Fucking wrong with you, believe me. If I told you that they're lying, then that's just a rumor. Send you my personal track.
Sur le jeu. Pénalité contre les cavaliers. Et on me dit à l'oreille que le 13e joueur y est pour quelque chose. On se prépare. Les joueurs s'installent. On encourage la défense. Sur le terrain, attendons voir. Et on a bloqué plus fort que permis du côté des cavaliers. La pénalité ira du côté des blancs. Et on recule. La défensive de Philippe Leduc qui gagne en positionnement. Et l'offensive des cavaliers qui se ramène au milieu du terrain. Troisième essai très long. Le 13e joueur est bouclé. Et on termine le travail à 10 minutes, la part numéro 28 Gauthier-Hilly. C'est donc le 4e essai. On appelle le temps mort des 3 minutes. Et la première demi qui défile à vive allure, la marque toujours de 21 à 7 en faveur des Gaillards. Et comme on dit, on plie mais on casse pas. La défensive qui fait travail. Soulignons la présence aujourd'hui des cousins Laberge, Marc-André et François présents au match. Fidèles au poste. Au retour, le numéro 88, Mathéo Sankara. Pénalité sur le jeu. On semble ne pas avoir respecté le 5 verges de rayon d'immunité autour du retourneur. Comme le ballon était au sol, la pénalité sera de 5 verges. Si le retourneur avait attrapé le ballon en vol, la pénalité aurait été de 15 verges. Et là, c'est 5 verges et l'offensive s'amène sur le terrain avec 2 minutes 34 à faire avant la mi-temps. Par le numéro 84, Paul Gilbert. Il fait sortir vos coupons de moitié-moitié. On va annoncer le gagnant du moitié-moitié dans quelques instants entre les deux prochains jeux. Donc, sortez vos billets
de moitié-moitié. Le numéro gagnant pour le moitié-moitié, 35, 88, 80, vous présentez entre les deux estrades à la cantine. 35, 88, 80. Interception du côté des cavaliers. Le grand mécontentement de la foule. Et le gagnant du moitié-moitié, les quatre derniers chiffres, 8, 8, 8, 0. 88, 80, les quatre derniers chiffres. Bon, mais c'est fait, c'est fait. On fait du bruit, on encourage la défensive. La passe est incomplète. Il y a un mouchoir sur le terrain. Aucune pénalité finalement sur le jeu. Passe incomplète, deuxième essai 10. Gros troisième essai, 1 minute 35 à faire avant la mi-temps. On encourage la défensive, on fait du bruit pour les gagnants! Ballon touche au sol. Il y a une pénalité en la tertiaire.
J'suis là, j'fais du sale pour l'instant. J'ai fermé mon corazon pour l'instant. Mais j'finirai jamais tout seul. Armand m'est en fait des vies. Mais la tête est sur mes épaules. J'vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais. On se prépare bien, le 13e joueur, let's go! Gros troisième, gros troisième, let's go! Pour le premier jeu, l'unité de beauté de dégagement, des cavaliers qui s'amènent sur le terrain. Attendons voir la stratégie. Est-ce qu'ils vont y aller avec une feinte de beauté? Quatrième essai, 4. Blessé du côté des bleus, blessé du côté des... semble avoir recouvert le ballon. Le batteur du côté des cavaliers. Ce qui leur procure le premier jeu, il n'y a pas de pénalité. Puisque le batteur n'a pas à respecter l'immunité, alors avec 1:01 à faire, l'offensive des cavaliers revient sur le terrain. La défensive reste. Donc on va avoir besoin d'encouragement. On va avoir besoin d'énergie. Le 13e joueur, préparez-vous à encourager vos favoris. Let's go, let's go, let's go! Au plaquet, le numéro 54, Adrien Lalinière. Le carrière qui fait un très bon gain. Étant donné le jeu précédent, ce sera insuffisant pour le premier jeu. On sera là encore, troisième essai et 7 verges à faire. Gros troisième, let's go! Il y a un
l'offensive. Des cavaliers restent sur le terrain. Let's go, Gaillard! Let's go! Cool. Les secondes fin du deuxième quart et les Gaillards qui retrouvent Thomas-Pierre. La marque 21-7. On leur envoie l'énergie. Let's go, let's go, let's go! Thank you.
ball. Hey. Listen to this though. Thank you.
Just the same money.
cash, gang with some stock, and slippers spilling. Just popping, taking some and rolling with it. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just hope the Lord forgive me. Every day I'm hustling. What else is a thug to do? She's from the government. Gotta provide for my daughter. Then get the fuck up on my way. Got that drum and I got them bands. Just like a parade. Top that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stuff. If they do tell the truth, this the last time you might see my. From the gardens where the grass and cut them circles, lurking blood. Just selling. It's selling drugs, but it's all good. No big promises, still your watch and tell you what time it is. Take your J's and take me to kick it where the philosophy is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money trip. Take your boys and tell me what you do. Everybody will respect the shoe. But the one in front of me, it's going wrong. On se prépare à reprendre les hostilités, le début du troisième quart qui va s'amorcer. On se rappelle en début de match, d'ailleurs avait recouvert le bateau, alors ils vont le recevoir. Au retour, le numéro 88, Matteo Sankara. Et bon retour, un bon positionnement. L'offensive de Phil Dieu qui s'amène sur le terrain. À son 44. Yo! Ça va? Chabray! Porté par le numéro 4, Bénif! Attends, on va voir le positionnement du ballon! Et on demande la présence des chaîneurs sur le terrain pour mesurer. Est-ce que ce sera suffisant pour le premier jeu? Et on indique que ce sera deuxième et des millimètres. On va remesurer. On replace le ballon, deuxième essai très court. Bénif fait sentir sa présence tôt au troisième quart. Il court. Thank you.
Passe incomplète, deuxième essai 10. Passe incomplète, troisième essai 10. Qui récidive, passe lancée par le carrière numéro 8, Olivier Lefebvre. Alexis Bonnefoy porte le ballon en plein centre, tient solidement son ballon à deux mains. Difficile à mettre au sol, BNF gagne 5 verges. Il en est pas à sa première course de 5 verges aujourd'hui, qui est un très bon gain pour un jeu au sol. Tant qu'on sait qu'on a 4 jeux pour faire 10 verges. Transformation réussie. Alors, les gaillards qui font sentir leur présence à la sortie du vestiaire, tôt au troisième quart, dès leur première séquence, s'inscrivent au pointage. On n'est pas des anges, pas des anges.
sa fond de cœur. On grimpe en descend comme le 44. Tu fais lever pour mon 75. On veut la somme avec la décimale. La cale a fait. Yo, faites du bruit, on se prépare, on encourage les bleus. On va chercher le magot, let's go. Bon beauté, bonne couverture. Et la bonne nouvelle, c'est que la défensive des Gaillards s'amène tout juste devant leur 13e joueur. Ah, les joueurs vont se placer, on fait du oui, on encourage les bleus, let's go! Belle course du côté des cavaliers, le numéro 28 qui porte le ballon. Tichon Gordon. C'est bon pour un premier jeu, Saint-Lambert. Remis à Tichon Gordon. Un autre premier jeu du côté des Cavaliers. Premier essai 10. Au 47 en territoire des Gaillards. On encourage la défensive. On envoie l'énergie à nos joueurs. Let's go les Gaillards! Jeu truqué du côté du cavalier, une option suivie d'une passe. C'est complété, il y a une infraction sur le jeu. Est-ce qu'on a saisi le protecteur facial? Pénalité contre les Cavaliers, c'est après avoir gagné le premier jeu. Ce sera donc un premier essai 10. On recule le positionnement du ballon au 33. Let's go, on encourage les Bleus, on fait du bruit! Au travail de la défensive, on limite le gain là, à deux, peut-être trois verges. Ce sera donc un deuxième essai. Deuxième essai, 8. Let's go! Plaqué! Quelle réaction, le numéro 44! Kylian Benatia au plaqué! Solide jeu de la défensive, perte de deux verges! Troisième essai 10! Gros troisième, gros troisième, on a besoin de tout le monde! Préparez-vous, 13e joueur! On veut vous entendre, let's go! Thank you.
C'était complet. Aucun mouchoir sur le jeu. 4e et 5, 10. On semble conserver l'offensive sur le terrain du côté des Cavaliers. On y va le tout pour le tout. Ce sera un gros 4e essai. On va avoir besoin encore une fois du 13e joueur. On a besoin de tout le monde. On envoie de l'énergie aux gaillards. On encourage les Bleus. Let's go! La passe était complète, revirement. La défensive qui fait le travail, on les encourage. C'est ça, c'est tout. L'offensive s'amène sur le terrain. Capté par William Fortin, c'est bon pour un premier jeu gagnant! Ballon porté par Alexis Bonnefoy, un gain d'environ 4 verges, deuxième essai. Deuxième essai, 7. Par Paul Gilbert, on gagne environ 3 verges. C'est donc le 3e essai. On gagne un peu plus que 4 verges. Le 3e, 3, 4. Alexis Bonnefoy. On sera tout prêt. Et on est dit que c'est bon pour la première jeune incomplète, deuxième essai 10. En plein centre du côté des gaillards, le numéro 29, François Desrosiers. Environ 3 verges, 3, 4 verges, 4 verges, 3e essai 6.
sac du corps du côté des Cavaliers, perte de terrain. Ce sera donc quatrième essai long pour les Gaillards. L'unité de beauté de dégagement s'amène sur le terrain. Quatrième essai 14. Michel sur le terrain, on semble ne pas avoir respecté l'unité, étant donné que le ballon était en vol, attrapé dans les airs. Ce sera pénalité de 15 verres. Passe incomplète, la pression était forte dans le champ arrière. Deuxième essai, 10. Piazzo is in the house. Et à nouveau, passe incomplète, troisième essai, 10. Troisième essai important. On se prépare le 13e joueur. Les joueurs s'installent, on se prépare, un petit bruit pour les Gaillards! Pression forte encore une fois du côté des Blues! Passe incomplète, quatrième essai 10! C'est Boubou. Positionnement pour reprendre le ballon. Ballon remis au numéro 33, Evan Mikamou.
pénalité sur le jeu. Un joueur s'abonnait sur le port du côté des cavaliers. Et on semble avoir servi du côté des officiels. Pénalité contre les cavaliers. Ce qui procure le premier jeu du côté des gaillards. On avance les chaînes. Captain par le numéro 15, Pierre Scholler. Il y a un mouchoir sur le terrain. Attends, on va voir la décision des officiels. Il y a un blessé du côté des cavaliers. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a trois planes. Sur fond de mon torse, fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps. Et on a dit que la pénalité déclinée, c'est bon pour un premier jeu. Excellente exécution du côté de l'offensive. Pierre Scholler qui capte le ballon, profite des blocs de dérassement et de la ligne offensive. Premier essai et les buts. Applaudir le joueur des cavaliers qui retourne au banc. Et monsieur Laverge qui revient du côté des estrades. Ça nous attendait. Petit Boubou. Et la possession est du côté des cavaliers. La couverture s'en vient rapidement. Le joueur n'ose pas le retour, sécurise le ballon.
mon soir devant les grains, les bains. J'ai bossé comme un esclave, comme le temps je me reste là. Désolé ma chérie, je voulais qu'on se dise. Procédure, une amitié de côté de Gaillard. On va reprendre le beauté. L'avenir appartient à ceux qui nous font plus trop tourner sur Paris. On envoie-tu l'énergie au bleu? On fait-tu du bruit pour les gaillards, là, pour les pick-off? On envoie l'énergie au gaillard, on fait du bruit, on fait du bruit, on encourage nos joueurs, on encourage nos joueurs, let's go! Très beau beauté du côté des gaillards, aucun retour! La défensive s'amène sur le terrain! Du côté des cavaliers, il y a un mouchoir sur le terrain. Attendons voir. On a bougé trop vite du côté des cavaliers. Sauf normalement ce genre de pénalité-là, c'est dû à cause du 13e joueur. Du bruit, on va vouloir vous entendre, le 13e joueur, vous êtes important. Let's go! Bonjour du côté des cavaliers, excellente réaction du côté des gaillards. Et le joueur de ligne défensive, le numéro 93, on sait qu'il est rapide, il est colosse, William Tang, au plaqué le long des lignes de côté. Partie du centre de la ligne défensive pour aller faire le jeu. Très belle exécution du côté du numéro 5. On écrase le tracé. La passe est trop longue et incomplète. Étienne Saint-Pierre à la couverture. Fin du troisième quart et avec 15 minutes à jouer, la marque 35-7 en faveur des gaillards. Très belle exécution et on croise sur la ligne défensive, on stunte là-dedans, la pression est très forte, entre autres 54, Adrien Lelinière au plaqué. Belle stratégie là, appelée par la défensive des gaillards, 4e essai 12.
On savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, Matteo Santara qui s'évade. Il y a des mouchoirs sur le terrain. Attendons voir le résultat final, mais dans tous les cas, c'est un très bon retour de Matteo Santara. Touché, malheureusement, n'est pas bon. Le résultat final, c'est que l'offensive des Gaillards reprend le ballon. Oh, là, ma capacité à lire les signes est limitée. Là. Il y en a trop. Premier essai et 10 au 45 en territoire des Gaillards. C'est l'offensive des Bleus qui est là. Probablement un bloc illégal lors du retour. On recule positionné jusqu'à le ballon qui est capté. Passe incomplète, deuxième essai 10. Et ma passe incomplète, troisième essai 10. Passe incomplète. Quatrième essai, 10 minutes de beauté, dégagement des Gaillards. Ça mène sur le terrain. Dernier endroit que je rentre le toit ouvert. Je quitte la France, elle a fait la petite France. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Que je dépense, que je sois devant la défense. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Voilà, j'ai
Et tout de suite, avec 125 ou 87, les gaillards, Mathieu Chouinard et Gabriel Leclerc. Envoyez de l'énergie au bleu. On attend que le caucus se brise. Excellente réaction du côté de la défensive. Encore une fois, William Tank qui fait sentir sa présence. Et Mathis Tremblay. On voit bien la stratégie du côté. Perte de terrain, deuxième essai, 12. Envoie de l'énergie au bleu. Let's go, let's go, let's go. Passe complétée du côté des Cavaliers, un très long jeu qui propulse l'offensive des Blancs à la porte des buts. On tentait de faire perdre le ballon, ce qui a permis au receveur de gagner des verges supplémentaires, un bel effort individuel. Premier essai, les buts du côté des Cavaliers. On se prépare le 13e joueur. On peut durer, on envoie l'énergie au bleu. Let's go, let's go, let's go, let's go! Touché du côté des Cavaliers, le carrière qui feint la passe et qui court, conserve le ballon pour inscrire le majeur. Emerson Peterkin qui fera un bon match aujourd'hui. Transformation réussie avec 11 minutes 2 à faire, 35-14, la marque en faveur des Gaillards. Thank you.
Bonne réaction. Numéro 7, Antoine Fortin. Sécurise le ballon. Et la bonne nouvelle, c'est que l'offensive s'amène sur le terrain avec un excellent positionnement. Alors, 52, les Gaillards reprennent le ballon. Transformation réussie. Pénalité sur le jeu. Il semble avoir touché là, au moteur. Pour Garémi Camou, il faut deux places. Madame veut connaître mon budget pour la vie. Puis ça charbonne encore mon séparé. À la fin du bal, on rencontre les amis. La statue sur ma gauche, la même danse. Ouais, tu es sauvé, c'est cher. Dis-moi, prie, je te dis si c'est dans mes. Pénalité contre les cavaliers. Alors, tout ça va marquer là que. Le poteur positionne le ballon au 50 en territoire de Saint-Lambert. Est-ce que le 13e joueur, vous appréciez votre match? Est-ce que vous avez le goût, le 13e joueur, de faire du bruit pour démontrer votre appréciation du match au Gaillard? Let's go! Au plaqué, le numéro 3, Simon Racine. Contre les cavaliers, on semble avoir utilisé le bras là, un peu abusivement pour le Stéphane, pour la technique du bras tendu. On sait donc que c'est assez technique là, la façon qu'on peut l'utiliser. Et on recule le positionnement du ballon très profondément en territoire adverse. Et est-ce qu'on est capable de se faire entendre jusque-là? Envoyez un peu de chaleur, est-ce qu'on est capable, le 13e joueur, d'envoyer de la chaleur au bleu? Passe incomplète, deuxième essai 10. Oh.
Oh, quelle réaction du travail de la défensive! On sait que le quart arrière, là, le cavalier, très agile, très rapide. Un blessé au sol. Troisième essai, on fait du bruit, on encourage les bleus, let's go, let's go! Bonne réaction encore une fois de la défensive! Entre autres, le numéro 19, Tom Graffin qui était présent. L'unité là, de beauté dégagement. Les cavaliers s'amènent sur le terrain. Quatrième essai et 8 à faire. Et on donne 2 points du côté des cavaliers pour reprendre un meilleur positionnement sur le terrain. Alors, la marque 44-14, 9 minutes 20 à faire. L'offensive des Gaillards s'amènera sur le terrain à son 35. Ballon remis au numéro 33, Evan Mikamou, dans de grosses verges au fond de la ligne offensive. Deuxième essai. Un gain de 4 verges, deuxième essai 6. Pour un premier jeu gaillard, le numéro 33 Evan Mikamou, on se tête baissée en plein centre, perce le front 7 et va chercher le premier jeu. Olivier Lefebvre, le numéro 8, joue de sagesse. Le vétéran sécurise le ballon, prend ses jambes à son cou. Et on indique le premier jeu gagnant.
Ballon porté par Frank Le Tank, numéro 29, François Desrosiers. En plein centre, très explosif. Très bon gain. Un gain de 7 verges. Deuxième essai, 3. Deuxième essai, 4, 3. Deuxième essai. C'est complet. Deuxième 10. Ballon remis au numéro 29, François Desrosiers. Bonne réaction du côté de la défensive. Ce sera donc un troisième essai. Troisième essai et 7. On gagne 3 verges sur le dernier jeu. Pénalité sur le jeu. Pénalité contre les Gaillards. On va reculer, reprendre le troisième jeu, 5 verges plus loin. Le même genre de jeu était arrivé contre nous la semaine dernière, alors les dieux du football nous renvoient l'appareil aujourd'hui, c'est nous qui en bénéficions, un bon favorable nous donne le premier jeu. Yo, Chachabi. Rapide et solide, le numéro 33, Evan Mikamou qui est inscrit majeur. Transformation réussie. Allez, tu fais.
On fait du bruit, on encourage les gens pour la grâce spéciale aujourd'hui. On a la chaleur, on a l'énergie. Let's go! Yo, Ali. Hey, Ali. Bonne réaction du côté de la défensive des Cavaliers. Le numéro 24, Samuel Boudric, porte le ballon, perte de 3 verges au deuxième essai 13. Et alors que les secondes s'écoulent, c'est donc un troisième essai. Pour les gaillards. Et pourquoi Antoine Lefebvre était au poste de corps arrière. En relève. Ah, Olivier Lefebvre. J'ai dit qu'il était en relève de c'est Antoine Lefebvre, c'est ça, hein? Un peu, là. Arrête de jaser avec ton cousin. Allons, toi. Thank you.
On laisse là, écouler des secondes. Je pense qu'on peut faire un maximum de bruit. On applaudit les deux équipes pour le match de cet après-midi. Let's go! Ce qui va faire un match par la marque de 58 à 14. Et nous gagnons son tête. Car on a la réserve d'un autre match.